Vous savez, faites très attention à ce que vous écrivez aux gens. Faites très très attention. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Quand je fais souvent les vidéos de prévention pour prévenir, pour avertir, pour vous dire, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voici comment Satan marche. Voici comment Satan est. Voilà, 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 voilà. Il y a les gens qui décident de venir mettre leur venin, vomir leur venin, insulter, dénigrer. Ce que vous écrivez là, le jour de la détresse là, c'est ce que vous allez recevoir. Est-ce que vous savez ça? Ah, vous n'êtes pas au courant de ça. Hein? Une fois là, je vais vous parler d'une histoire, j'ai déjà parlé de ça, mais je vais répéter encore. Je prévenais les gens. Je leur disais, les vols, les tricheries que vous êtes dedans, ce n'est pas bon. Parce que eux, ils voulaient me tirer. Ils voulaient que moi aussi, je sois dedans. Je leur disais, non, 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 je ne peux pas. Et puis, ils ont commencé à rire. Ils ont commencé à se moquer de moi. Je leur disais, avant, je ne savais pas. Avant, je ne savais pas que tricher, voler le gouvernement, tromper, tricher, mentir ici, mentir là, là. Ce n'est pas une bonne chose. Je ne savais pas ça. Mais le jour que j'ai été sauvée, voici ce que Dieu m'a montré. Quitter dedans, ce n'est pas bon. Ils ont commencé à rire. Ils ont commencé à se moquer de moi. Ça a duré 8 ans. Hey, le jour de la vérité. Hey. Ça a fait 8 ans. Après 8 ans. Ce qu'ils ont perdu là, mon cher. C'est ça. Après 8 ans. Quand je prévenais là, les paroles que je disais, puis eux ils riaient là. Le jour que le malheur a frappé là, ils se sont rappelés de mes paroles. Donc c'est ça. Tu viens rire en bas de mes vidéos, tu viens mettre des injures. Le jour de la détresse, le jour du malheur là, ce sont tes rires là, tu vas recevoir. Vous pensez qu'on se moque de Dieu, vous pensez que je n'ai rien à faire. C'est ça au fait. Quand on dit aux gens, allez-y à l'église, Jésus-Christ est Seigneur, ils sont là. Ils sont là, ils me prennent pour une... Vous pensez que je suis folle? Si vous pensez que je suis folle, là, c'est la folie là vous allez recevoir. C'est ça. Vous pensez que je suis folle, non? Ce que vous avez écrit là, ce que vous avez écrit en bas de mes vidéos là, le jour de la détresse, vous allez recevoir ce que vous avez écrit. Oui, parce que c'est ce que vous avez semé. C'est ce que vous avez semé. L'homme récoltera ce qu'il a. C'est ce que vous avez semé là. Vous allez recevoir ça. On vous prévient, on vous parle. Vous insultez les gens. Faites attention à eux. En tout cas, sois sage. Toi, tu m'écoutes. Toi, enfant béni de Dieu, ne rentre pas dans les injures. Si tu n'as rien à dire là, passe ton chemin, va. Ne écris rien, ne dis rien, continue. Vous savez? Je vais vous lire une parole. Les gens pensent qu'on est là pour s'amuser. Non, hein? C'est dit ici. C'est dans Ecclésias 10, verset 29. Oui, verset 29. Ecclésias 10, verset 29. Qu'est-ce qu'il y a dit? C'est dit ici, ne maudis pas le roi, même dans ta chambre. Non. Ne maudis pas le... Excusez-moi, je reprends. Excusez. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette grâce que tu es en train de faire à ton peuple. Au nom de Jésus, amen. Ne maudis pas le roi. Même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix. L'animal, elle, publierait tes paroles. Vous avez compris ça? Dans ta pensée, tu es seul là-bas. Faites attention quand vous êtes seul. Ce que vous êtes en train de vous dire. Oh, je suis seule ici, je suis seule.
dans la chambre ici, je suis sûre, il n'y a personne. Hein. Ce que tu es en train de te dire là, est-ce que vous savez que le monde spirituel est au courant de ça? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que tu fais dans le secret. Les gens qui critiquent, qui ont un groupe dans le secret, en train de dénigrer quelqu'un qui est en train, quelqu'un comme moi, par exemple, je suis en train de parler de Dieu, non? Et ils sont dans leur groupe là, en train de me critiquer, en train de parler méchamment de moi. Il y a des choses que je peux savoir. C'est ce qui a été dit. On dit le roi peut savoir. Les gens peuvent savoir ce que vous avez dit dans le secret là. Est-ce que vous savez le monde spirituel là? Il y a les esprits impurs, les paroles là. Hein? Ça peut. Quelque chose que tu as dit dans le secret. C'est pour cela un jour, je disais, quand j'ai commencé à travailler là, j'ai commencé, j'avais repris mon travail quelque part, c'était chaud, donc je suis partie au travail, j'ai repris le travail, mais je n'ai pas duré là-bas. J'ai fait 4 mois ou 5 mois et puis j'ai laissé. Les gens vont, ils font des groupes, ils vont parler là-bas. Ils font des réunions sataniques contre moi. Quand ils finissent, quand ils sont en train de parler là, moi je suis au courant. Oui, c'est comme ça, c'est le monde. Je suis au courant de leur plan. C'est ce que la Bible. Moi-même, je ne comprenais pas. Je disais, ah, comment, tout ce qu'ils ont planifié. Puis je me suis dit, comme je suis spirituelle, c'est ce qui est en train de se passer ici. Ce que tu es en train de dire dans un groupe ou quand tu es seul, ce que tu es en train de parler, on dit l'oiseau. Il y a un papaton qui va aller dire, oui, ne maudis pas, ne dis point mal du roi, non pas même dans ta pensée, non pas même dans ta pensée, ne dis point mal du roi, non, non pas même dans ta pensée, ne dis point aussi mal du riche, dans la chambre où tu couches. Quand les oiseaux des cieux, oui, les oiseaux des cieux, ça veut dire les esprits impurs, quand les oiseaux des cieux emportera ta voix et ce qui vole emporterait les nouvelles. Oh, c'est ça? Vous êtes là. Souvent, ceux qui ont le courage même là, ils viennent écrire. Tu parles de quoi? Tu es fort. Hein? C'est la folie là, vous allez recevoir le jour de la détresse. Vous allez devenir fou comme ça. On vous prévient, on vous parle. Vous dites que la personne qui est en train de vous prévenir, la personne qui est en train de vous parler là est fort. Le jour de la détresse là, tu vas devenir fou. Ce n'est pas la folie que tu voulais. C'est ça que tu vas recevoir. C'est ça que tu vas recevoir. C'est pour cela. Je vais vous parler quelque chose. Quelque chose. Lorsque j'ai voyagé là, j'étais là. Tous les complots, tout ce qu'ils se sont dit entre eux là, j'ai su ça. J'ai su ça de A à Z. J'ai su ça. Non, quand tu pries là, c'est trop bon. Quand tu pries là, c'est bon. J'ai su leur complot, j'ai su tout ce qu'ils ont organisé contre moi. J'ai su. C'est ça. Donc faites attention. En tout cas, j'aime ce verset-là. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne dis pas et ne maudis pas, c'est pas le ne dis pas. Ok, je reprends. Ne maudis pas. Je vais agrandir. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix. L'animal, elle, publierait tes paroles. Ça se fait dans le surnaturel, le monde spirituel. Dieu a parlé, non? Et les choses ont existé. Donc les paroles là, on fait très très attention à ça. Quand tu es en train de critiquer quelqu'un qui parle de Dieu,
tu viens, tu mets la méchanceté. La personne en train de te prévenir, ton père, ta mère, ce ne sont pas des sorciers. L'être humain n'est pas un sorcier. L'unique vrai sorcier, là, c'est Satan. La personne en train de dire, Satan, tu viens insulter. Le jour de la détresse, là. Ton injure, là, tu vas te rappeler de ça. Tes mots, mot par mot, ce que tu as écrit, là, tu vas te souvenir de ça. Ah, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Il y a des choses, là. Quand tu ne connais pas, là, ne rentre pas dedans. Tu ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, moi, Chantal, je suis assise par terre. Et je suis en train de parler de Christ. Est-ce que je parlais de Christ avant? 30 ans passés, vous m'avez vu parler de Christ? 30 ans, 20 ans passés, oui. 26 ans passés, vous m'avez vu parler de Jésus? C'est ça. Quand quelqu'un commence à dire Jésus est Seigneur, Jésus revient bientôt, Jésus est Seigneur, il est fils de Dieu, il est sauveur, il est Seigneur. Ah. Le feu, la personne à travers... traverser le feu quelque part. La personne a vu quelque chose. La personne a entendu quelque chose. C'est pour cela, elle vient s'asseoir, elle est en train de prévenir. Toi, tu décides, cette personne-là, toi, tu décides d'aller la persécuter. Mais vous avez le courage, hein? Vous avez le courage, vous qui avez décidé de me persécuter, là. Vous avez le courage. Vous qui avez décidé de faire un groupe pour m'avoir là, mais vous avez le... quel courage, quelle audace. Continuez. Continuez dans ça là. Continuez. La Bible dit que le méchant continue. Celui qui est mauvais là, on va écrire ça parce qu'il faut qu'on rentre dans ça. Hein? On va rentrer dans ça aujourd'hui. Le méchant continue. J'ai besoin du verset là. Je vais voir. Continue. C'est là même. J'aime ça. J'aime ce verset là. Ok. Non. Excusez. Il faut que j'écris. Le mauvais... Non, c'est pas le mauvais temps, toi aussi. Le mauvais... Continue. C'est dans Révélation. Attendez. Oui, c'est ça. Merci Seigneur. Voilà le verset là. Si vous n'avez jamais entendu là... Il faut écouter ce que je dis. Apocalypse 22, verset 11, c'est dit que celui qui est mauvais, ceux qui ont décidé de me persécuter, là, continuez. Que celui qui est mauvais continue à mal agir et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à faire le bien. Et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Vous avez décidé de me persécuter, non? Vous avez décidé de faire du mal, non? Continuez. Continuez dans le mal. Que celui qui est mauvais, Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est mauvais continue à mal agir. Votre persécution, là, il faut continuer. Vous avez décidé de me persécuter, non? Vous avez décidé d'écrire de la méchanceté quand je fais les vidéos, là. Continuez dans ça, là. Continuez. Que celui qui est mauvais continue à mal agir et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à le faire et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Vous avez décidé de vous moquer de moi parce que je parle de Christ, non? Continuez. Vous avez décidé de vous moquer de moi
de rire, de me ridiculiser, parce que je parle de Jésus, non? Vous faites des groupes pour faire ça, non? Continuez. Continuez à faire. Quand je dis un être humain n'est pas un sorcier, vous dites que les êtres humains sont des sorciers. Continuez. Continuez dans ce que vous êtes là. Dans ce que vous avez décidé d'être dedans. Continuez. Moi, je continue de faire ce que Dieu me montre, ce que Dieu m'a montré pour vous prévenir. Moi, je continue de faire ça. Continuez. C'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ sourit. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Oh. C'est la fin qui compte.